So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Salut tout le monde, on se retrouve pour la 22e partie du mon Let's Play sur Kingdom Hearts 1 HD Remix. Et on se retrouve pas tout à fait au même endroit où on s'est arrêté l'autre fois. Là je suis dans la forêt des rêves bleus, enfin... On dirait que je suis dans la forêt des rêves bleus, mais c'est pas vraiment là. Et bon, en fait, j'avais commencé à filmer il y a quelques temps. Et du coup, en fait, j'avais filmé l'autre partie, mais j'ai pas réussi à récupérer le fichier. Du coup, je suis un peu plus avancé qu'avant. Mais il y avait pratiquement rien, hein. Juste 2-3 mondes de combat et tout. Comme on l'a fait pour le Colisée de l'Olympe et tout le bordel, mais... C'est juste un détail. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est que bah, déjà on se barre d'ici. Et normalement, juste après ça, il y a un boss. Parce que oui, ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on s'est introduit dans le monde de la fin du monde. Et pour l'instant, on a fait que des combats en fait. On a enchaîné des combats. C'est pas par ici. C'est vrai que c'est pas la lumière. Ouais, c'est la lumière là-bas, là. Ah non, on la voit même pas. Ok. Voilà, c'est ici, c'est le trou. Et dans ce trou, bah, y a un boss. On va voir. Il s'agit donc de Cherub ou Cherub, je sais pas comment il s'appelle. Mais bon. Tout ce que je sais, c'est qu'il vient de Symphonia en fait, c'est le dessin animé. Rappelez-vous avec Mickey et les balais et tout le bordel. D'ailleurs, il y a un monde aussi de ce dessin animé dans Wavelet Distance. Bah, en fait, dans le premier, il y a juste le boss quoi. Bon, à part ça, il est assez chiant. Oh, oh, putain de merde. Ça a l'air assez facile de le combattre comme ça, mais il est assez chiant en fait, parce que ses attaques sont assez dévastatrices, on va dire. Si on s'approche trop de lui, bon, on se fait vite buter. Et le problème, c'est que si on reste assez loin, bah de toute façon, il perdra pas de vie. Donc. Et je sais qu'il y a un moment dans la fight où il est plutôt chiant. C'est-à-dire qu'en fait, il nous lance des trucs à distance et tout, et c'est très chiant. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, c'est pas ce que je pensais. En fait, il fait des trucs bizarres, du coup, ça m'a dû en erreur. Chier! Je pense que le pire, c'est d'être piégé quand il fait ça. Là, apparemment, il s'est un peu plus déchaîné vu que sa barre de vie est descendue. C'est pas la peine d'être aussi frustré, c'est pas parce que t'es un méchant de Disney et que tu te fais buter à chaque fois, je sais pas. Peut-être dans ton enfance, il y a un autre truc comme ça, je sais rien. Quand nous on t'a rien fait, besoin de nous attaquer comme ça quoi. What the fuck. Wouah. Je sais pas, imagine, t'auras pu, je sais pas, ne pas tourner de... Ouais, enfin, d'un côté je peux comprendre, si t'es genre frustré un peu comme ça, genre dans ton enfance t'as été battu, choses comme ça... C'est vrai que tu peux en sortir sans colère, mais c'est pas une raison quand même. Pourquoi tu t'allies avec le mal, Anselme et tout ça, il t'apporte rien, tu sais. Je sais pas, t'aurais pu faire boulanger, c'est... Oh putain de merde. Au moins ça fait du bien aux gens, parce que là... Ok, tu peux faire fourneau limite, hein, pour la boulangerie, mais... Nous attaquer avec ton feu, là, nous tu sais, on t'a rien fait, c'est juste ça. Oh putain. Fuck. Mais, genre je fais des sons dans le vide quoi. Ouais. Allez. On s'en fout. On bourrit. Voilà, dès qu'il fait ça on se barre.
Faut mieux se rapprocher après. Bon, ça descend assez vite, mais bon. Quand il va se mettre en rogne, c'est notre vie qui va descendre assez vite. Donc bon, faut rester vigilant. Ah! Putain, des fois j'ai l'impression qu'il y a des petits bugs d'affichage. Ah non! Ça se passera pas comme ça. Au moins que je récupère toute ma magie. Ouais, c'est pas moi, hein. J'ai l'impression que. Du miroir des fois. Oh putain, mais genre il fait ça deux fois de suite! Allez, Donald. Non, Dingo. What? Ah non, mais j'ai fait les deux. Ok. Ah! Mais what? Ok, ça s'éloigne là. À part ça, il lui reste pas beaucoup de vie. Mais c'est là que ça va se corser. Parce que c'est là où il va commencer à envoyer des trucs. Mais bon. Ça fait très très mal. Donc là, on va se voir tout ça à la gueule si on fait pas assez gaffe. Je préfère le bourriner. Ah! Je sais pas ce qui s'est passé, putain. What? J'ai pas du tout compris. Oh putain! Fais pas ton mage, toi. Ah! Je sais vraiment pas ce qui se passe. Oh putain. Putain, c'est le gros bordel quand même, hein. Allez, dans ta face. Plus du cul. Oh. Oh chaud. Allez les gars, vous allez me soigner de toute façon. Ah mais sérieux. Merde. Putain mais ça lui fait vraiment rien tout ça. Allez, on le bourrine les gars, rien à foutre. Il crève. Il va mourir si on continue comme ça. Mais on peut aussi crever si on continue comme ça. Donc on va... en fait le but c'est pas trop s'éloigner de lui, je pense. Oh putain. Non, on va pas mourir comme ça là. Rien à foutre. On t'aura, connard! Ah! Fuck! Allez! Dernier petit effort, les gars! Je compte sur vous! On peut le faire! On peut le. Voilà, voilà! Enfin! Putain! Alors là, franchement, je peux vous dire, c'est vraiment rare que j'arrive du premier coup. Je me rappelle que j'avais vraiment galéré comme une pute au début. Enfin, dans le premier, quoi. Ah, putain! Super vol plané, hein, c'est bien ça pour voler. Ça nous permet de voler, mais pas que ici, ni dans le monde imaginaire. Donc. Maintenant, ce qu'il faudra faire. Je pense que ce sera. Bah aller trouver Anthem et lui péter la gueule, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire dans cet épisode là. Mais bon, on va quand même pas perdre trop de temps, je crois que là ça fait même pas 10 minutes que j'ai commencé la vidéo. Bon, c'était juste un combat, mais... Je sais pas si je pourrais faire tout en SEM là. Non, je pense pas. Je sais même pas si je pourrais déjà commencer. Parce que je sais que c'est pas maintenant, hein. Il y a des petits trucs à faire avant, quand même. Par contre, ce que j'aimerais, c'est tout de suite sauvegarder, parce que...
On sait jamais, j'ai pas confiance. Ok, c'est pas là. Là, c'est pour se téléporter. Je crois pas qu'il... Non, y a pas grand chose ici. Hein. Y a pas de coffre, y a rien. Mais dans le doute, on fouille quand même un petit peu. Ça peut toujours servir, moi je dis. Allez. Ouais, chaque erreur, un putain d'enchaînement par ici. Ok. On enchaîne. Ouais, bon, on enchaîne, genre je saute là-dedans quoi. Bon alors, c'est pour what the fuck, mais dès on arrive dans une salle comme ça, ils nous mettent un behemoth. Putain, mais c'est n'importe quoi. Ou un BMU, je sais pas comment ça s'appelle. Ce que je sais, c'est que c'est chiant, c'est gros, c'est long. Mais bon. À part ça, c'est vrai que, en parlant un peu de ce let's play, c'est vrai qu'il commence à traîner un petit peu. Connard, tu me laisses monter, voilà. Mais bon, c'est vrai que des fois, pour les vidéos, j'ai pas beaucoup de temps et je suis plus motivé à faire du Real Warriors des fois, donc voilà. C'est pour ça que ça traîne. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fini ce let's play, mais. Mais dégage! Voilà. Mais bon, on peut pas faire quand on n'est pas motivé, voilà. Il faut aussi que je trouve le temps des fois. Donc bon, ouais. Mais je le ferai quand même ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire sur tous les. Bah, les Kinomas restants, justement. Chain of Memories. Pff, 358 sur 2 days avec les cinématiques et tout le bordel là. Ça je le ferai. Par contre le 2,5 HD Remix, ça je l'ai pas encore acheté. Donc bon. C'est un peu plus problématique, mais ça va se faire aussi, vous inquiétez pas. Seulement faudrait déjà que je finisse celui-ci avant de faire autre chose, parce que là... voilà, ça... Voilà, c'est la fin, mais... Franchement, la fin elle est assez chiante, mais je sais pas si là, franchement, je sais pas si je vais galérer vu mon niveau. On verra au pire. J'essaierai d'avoir Ultima, je sais pas, parce que je sais toujours pas si je vais l'avoir. Finalement, parce que je suis prêt, puis j'ai envie de finir. C'est pour ça, donc on verra. Si j'arrive déjà à faire ça sans mourir, ce serait déjà cool, parce que mine de rien, c'est quand même chiant. Allez, surtout faut que j'aie beaucoup de magie pour après, parce que lui c'est... Lui c'est juste l'Anka en fait, hein. Lui c'est... la prélude de... des ennemis chiants, parce qu'après il y aura que ça en fait. Des ennemis chiants, bon on va essayer de pas... voilà. Ok, tranquille, posé. Idon, je fais des blagues de merde, et hop. Bref. C'est là que ça va se corser un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est rafale bourrinage. Et vous n'aurez pas intérêt à crever, vous m'aidez. Allez, on enchaîne les bouboules. Je sais qu'elles font très mal, surtout quand elles attaquent tout en même temps. Et c'est assez dur à les anticiper pour les parer des fois. Allez. Voilà, ça c'est bien. Où est-il? Ah, il est là, lui. Coucou, va vite. Boum. Donc eux, ça va être plutôt chaud aussi. À part si on les enchaîne bien. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que les autres cons, ils sont morts. Bon, ça c'est du bourrinage là, mais... Bon, c'est pour être sûr, comme ça, je suis vivant. Mmh.
Oh mais c'est le bordel, je vois rien ce que je fais. Merci. Putain, il a encore toute sa vie cet enfoiré. Moi j'enchaîne, rien à foutre. Parfait. Là faut enchaîner sans s'arrêter parce que eux ils font bien mal. Ils ont pas beaucoup de vie mais ils font bien mal. Donc faut profiter de les enchaîner. Merde. Surtout qu'ils se protègent ces enfoirés. Donc c'est plutôt dur après à les frapper s'ils se protègent, ça c'est logique. Mais bon, on devrait y arriver normalement. À part s'ils commencent à nous bombarder aussi. Du coup là ce sera plus chaud mais bon. Allez, plus que deux, je crois. Attends, j'aurais pété un cap si j'ai... si j'étais mort comme ça. Allez, plus qu'un. Oh, plus qu'un, ouais, je suis... je suis gentil, moi, hein. Il en reste pas plus qu'un du tout, là. Ils sont encore tout pleins. Ouais, ça descend gentiment, mais... ah, c'est pas encore plus qu'un, du tout, hein. Ouais, il en reste plutôt 3, là. Voilà, comme ça, si on se prend un truc... toujours en rafale. Ça doit vraiment être un réflexe à fond, putain. Bon, ils sont deux, ça devrait le faire. Si j'arrive à les atteindre, bien sûr. Voilà, plus qu'un normal. Mais what the fuck, mais... ça suffit pas, donc on fait un mélange, putain. Merci. Putain, mais j'aime pas quand ils font ça. C'est chiant de faire des mélanges, sérieux. J'ai confiance un peu en Donald, mais bon. Je sais pas si je devrais. Je perds pas beaucoup mais je suis concentré, j'ai vraiment pas envie de crever. Ce sera vachement con de crever à ce stade là. Bon là ça va, on se débrouille plutôt bien. Et il reste pas beaucoup d'ennemis donc bon, ça va. Donald, il est mort, sérieux. Ah putain. Allez, lui, c'est pas le plus dangereux, mais il est assez chiant quand même, donc. Attends, crève. Voilà. Parfait, il reste plus que lui normalement.
Après, il nous aurait bien fait chier. Voilà. Bon, c'est pas la fin du tout, ça c'est sûr. J'ai même l'impression que c'est un peu plus dur que le 1 quand même. Même si là, ça va, je suis quand même plus habitué. En tout cas, les niveaux là, ils devraient fuser un petit peu. Enfin, l'XP, parce que les niveaux là, on n'a pas augmenté beaucoup de niveaux. Ah là là, je sais que c'est pas très passionnant de regarder ça, mais bon. Ça fait partie du jeu, ma foi. Oh! Voilà. Apparemment, on a presque tout battu en fait, si on regarde un peu le... l'emblème des 100 cœurs. Ah, c'est pas beaucoup. Voilà, comme ça on est toujours sûr, même s'il y a Donald pour nous. Toujours chacun pour soi, et s'y mettre tant mieux. Même si des fois j'ai un peu plus confiance en lui, mais bon. Allez. On y croit. Putain, mais je déteste en plus, c'est qu'on perd du temps parce qu'il se protège, ces connards. Et il y a aussi un truc que je pensais aussi pour la Rafale Plus ou Rafale X, ce serait vachement utile. Donc je pense quand même, je vais essayer de, avant le combat final, je vais vraiment essayer de m'équiper. Parce que il faut vraiment que je trouve un moyen de m'équiper quoi. Genre Rafale Plus, tout ça, Ultima, je sais pas. Et comme ça je suis fin prêt, je me casse pas la tête quoi, parce que... Ça c'est sûr que je le bats pas longtemps et tranquille quoi, mal dans les poches pour une fois. Parce que j'ai jamais essayé avec un équipement un peu on va dire un peu en full stuff. Donc bon, ce sera un peu une première si j'arrive. Et Ultima, je l'avais eu mais après le boss. Donc c'est pas très utile finalement. Enfin si, mais le boss secondaire bien sûr, mais sinon voilà quoi. Bon c'est bon là Pas trop chiant comme, comme sans cœur. Ouais, faut jamais faire ça. Je veux dire, en plein combo, faut pas faire une rafale en général, sinon on se fait toujours attaquer après. Mais bon, fuck the rules! Oh putain. Allez, à 3, on devrait le baiser là! Allez! C'est bien là! Allez! Parti là. Voilà, comme ça on est nouveau sûr. J'espère que c'est le dernier. Parce qu'on verra. Putain, l'espoir c'est vraiment un truc de pédale là. Dans ce jeu. J'espère un truc. Ça ne se passe pas. Ils sont encore tout pleins là. Finalement, j'arrive pas à jauger qui est plus dangereux. Mais bon, je combats quand même. Attention putain, what the fuck. Putain merci. J'adore que ce qu'il me sonne à chaque fois. J'en ai pas besoin en fait parce que j'avais la potion plus, du coup j'ai utilisé pour rien. Enfin pas vraiment pour rien mais bon. Ça on est au moins sûr que je sois vivant mec. Ça m'énerve quand même d'utiliser des trucs pour rien. Je me fais de l'XP en parant leur coup, mais bon. Allez, toi tu vas y crever, hein. Hop. Vous l'avez tué l'autre ou pas?
visiblement. Il y a de la vie là. Voilà, ça doit être bon normalement. Ou alors il y a un gros truc à battre encore. Aïe aïe. Ça c'est bien ça. Je crois qu'on peut traverser. Non. Si. On peut. Quand on veut, on peut. Je vais enfin pouvoir sauvegarder. Bon d'abord je prends ce qu'il y a dans le coffre. Voilà, méga elixir, c'est toujours plaisant. Et je pense qu'on va sauvegarder ici. Et je pense que je vais vous quitter ici, donc... Je vais essayer de m'équiper... De m'équiper vraiment au mieux. Pour ce combat final, et on verra bien, parce que... Je vais quand même essayer d'obtenir la rafale plus. La rafale X, je crois, ou plus, je sais pas. En récoltant tous les damassins, parce que finalement, je sais pas combien il m'en reste. Je vais regarder quand même. Déjà, je vais m'équiper aussi de compétences, c'est-à-dire... Type de groupe là, super vol plané. Est-ce que vous avez des compétences à faire? Oui, ok, alors. Apparemment, à part profusion, il peut rien faire d'autre. Enfin. Faites concentration. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a un IP qui sert à rien? Pour Donald, ce serait bien concentration par contre. Y'a pas. Ouais, ça sert à rien d'attirer les sphères. Ouais. Non, lui il va bien. Mettre des combos. Hein? Ouais, mais 3 trucs, c'est chaud. Je me trouve bien comme ça. Moi je crois que je vais laisser comme ça en tout cas. Et puis en ce qui concerne les dalmatiens, combien il m'en reste? Alors 1, 2, 3, bah logiquement ils sont par groupe de 2-3 hein. C'est-à-dire qu'il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il reste pas mal hein. 10, 11, 12, 13, 15. Ok, il reste pas mal. Je pense que je vais m'amuser en hors ligne hein. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve donc pour la prochaine partie qui sera la partie finale. Plus qu'à passer à cette porte et ce sera vraiment le boss, il me semble. Donc voilà, portez-vous bien d'ici là et on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao ciao!